rentrée 2017. Au cœur de Pointe-à-Pitre, un pari fou a été engagé. Deux communautés scolaires sont sur le pied de guerre. Tous les moyens techniques, administratifs et humains du conseil départemental de la Guadeloupe sont mobilisés pour la réussite de ce coup de poker. Des travaux lourds vont être entrepris au niveau de Keralec. Est-ce qu'il y aura un problème particulier après pour le fonctionnement de Carnot? Qui c'est qui assure la coordination des équipes? La rentrée se rapproche à grands pas. Le 21 novembre 2004, un séisme de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter frappe le sud de l'archipel guadeloupéen. Ça n'arrête pas de... Les Petites Antilles sont une zone avec une activité sismique d'une grande intensité. C'est pourquoi des travaux doivent être faits en urgence au Collège Nestor de Kermadec. Dès août 2017 et ce durant 12 mois, le Collège Nestor de Kermadec va subir des rénovations parasismiques sans précédent pour la sécurité de tous. Pour cela, toute cette communauté scolaire sera transférée vers le Collège Carmont. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on a dans ces établissements? Pour l'informatique, je pense que vous le savez. Mais en tout cas, pour le mobilier, on ne sait pas. Ils ont un inventaire. J'avais 4 salles équipées, j'en ai plus que 2. 2 collèges, 2 identités, 2 principaux, 2 réseaux informatiques, 2 CDI, 2 cantines, 2 équipes pédagogiques et un seul établissement. Donc avec un collège, ça crée déjà des engorgements. Avec 2, ça ne pourra qu'empirer. Le collège existe, hein, parce que ça c'est sûr, entre les agents, vous verrez, ça risque de causer des frictions. Pour que l'opération soit exemplaire de ce point de vue-là aussi. Comment vont-ils faire? La course contre la montre a déjà commencé. Et les enjeux sont immenses pour tous les acteurs. Assistez à une démonstration de force hors du commun du conseil départemental dans votre nouvelle série « Au cœur de la Guadeloupe ». Chaque semaine, plongez au cœur de la Guadeloupe avec le conseil départemental, ses enjeux, ses responsabilités et ses défis au quotidien. Suivez des femmes et des hommes au service de la Guadeloupe. Allez, au travail !